Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore pour une ouverture courrier que j'ai reçue hier. Donc je suis allée à la boîte aux lettres ce matin en emmenant Poussinette au bus. Chez nous, il y a eu une tempête de fou. Alors j'espère que chez vous, vous n'avez pas eu trop eu de dégâts. Nous, ça va. Franchement, on n'a rien eu, donc c'est super, mais fou, un sacré vent quand même, hein. Donc on va passer à l'ouverture de deux courriers. Voilà. Alors, on va commencer par le premier. Petit cadeau, j'ai trois garçons, lol. Ah, bon, on regardera après. Alors, regardez-moi cette belle pochette. Ce papier est magnifique. Oh là là. Et derrière, ce petit Père Noël. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est super joli. Alors, je ne sais pas d'où vient ce papier, mais il est magnifique. Alors, ouvrons. Oh, alors. Donc, ici, il y a la carte. Toujours avec un cachet de cire avec un Père Noël. Santa's Candy Shop. Oh, j'adore, il fait vintage comme ça. Oh, c'est magnifique. Alors, on va ouvrir, on va voir de qui provient cette carte. Oh, il y a même la Memory Lex, je vous montre après. Coucou, voici ma participation pour ton concours sur ta chaîne YouTube que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Tes calendriers sont magnifiques, j'espère que ma création sera à ton goût. Merci pour ce concours, amicalement Scrap Sonia. Oh, bah merci beaucoup, bah bienvenue sur ma chaîne, hein. Merci pour les calendriers. Là, j'ai un petit peu perdu mon mojo. Enfin, ouais, j'arrive pas à me remettre dedans. Il faut vraiment, je sais pas, un coup de pied aux fesses ou je sais pas, mais là, j'ai une petite baisse de. Ouais, j'ai une petite baisse. Ça va revenir, hein, mais ça arrive souvent, hein. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là à avoir des petites baisses à un moment donné. Voilà, c'est des périodes pas forcément très faciles, donc. Mais ça va revenir. Là, il faut vraiment que je finisse celui d'Anso parce que sinon j'aurais jamais eu le temps. Je n'aurais jamais le temps avant Noël de faire tout ce que j'ai à faire. Alors, sur le côté de la carte, ici, il y a la Memory Dex. Mais j'adore ça. Dis donc, ces petits coins-là. Est-ce que c'est la perfo de chez Craftelier? Franchement, j'aime beaucoup. C'est super pratique et c'est. Ouais. Alors Sonia, si vous pourriez me dire. Si tu pourrais me dire si c'est la perfo de chez Craftelier. Parce que je l'ai mis dans ma liste d'envie pour mon mari Noël. Hein. Comme ça, en fait, il pioche dans ce que j'aimerais. Voilà. Je ne sais pas vraiment ce qu'il va prendre, mais je mets plein plein de choses. Et si vraiment je lui dis cette perforatrice-là, elle est en number one. Dans ma liste de souhaits. Ouais, c'est super pratique et c'est super original d'insérer la Memory Dex comme ça. Franchement, c'est une excellente idée. Alors, voici la Memory Dex avec un Père Noël tamponné colorisé et embossé à chaud. Je ne sais pas si on voit, mais il est embossé à chaud en 2021. Toujours un cachet de cire. Avec le Père Noël. Je ne sais pas si c'est les mêmes déjà. Ah non, c'est trois différents. Franchement, il est canon aussi celui-là. Un Christmas. Alors, c'est Sonia qui est née le 28 juillet. Et son Insta, c'est Nomini Crea. Elle scrape depuis 2018. J'aime le vintage et le girly. Les junk, les cartes, les ATC. Oh bah super, merci beaucoup, elle est super jolie cette Memory Dex. Et puis le fait de la glisser comme ça dans la carte, alors ça j'adore. Franchement, vous êtes des sources d'inspiration les filles, mais c'est un truc de dingue. Alors on va regarder la pochette, mais ce papier là, alors je sais pas d'où il vient Sonia, mais il faut que tu me dises, il est magnifique. Tout plein de paillettes et tout là. Alors ça c'est les die cuts des blocs de chez Action je pense, parce qu'ils me disent un petit peu quelque chose. Là, il y a un bonhomme de neige. Et dedans, quand on ouvre. Alors,
1, 2, 3 ATC. Oh, c'est super. Alors, on va commencer par la... Enfin, je ne sais pas si c'est la première. Non, c'est la troisième. Bon, alors, on va commencer par la première. On va suivre. C'est celle-ci. Alors, Merry Christmas. Le Père Noël avec des paillettes. J'adore. Le sapin, les pommes de pin. J'aime vraiment beaucoup. Alors, le titre de ces ATC, c'est Joyeux Noël. Et fait par Nomami Créa. C'est Sonia en fait. Donc elle est sur Insta aussi et je crois sur YouTube aussi. Elle est super belle. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Alors, la deuxième, c'est ça. Un sapin tout pailleté, la voiture tout pailletée. Oh là là, j'aime vraiment beaucoup, dis donc. Eat, drink. Les petits biscuits. Oh, bah alors là, bientôt. Alors, Poussinette m'a déjà remonté les boîtes en métal pour que je commence les spritz. Donc, il va falloir vraiment qu'on commence les biscuits de Noël. Parce que si vous saviez le nombre de kilos qui passent dans ma maison, c'est un truc de dingue. Les enfants dévorent ça à une vitesse folle. Enfin, il n'y a pas que les enfants. Hein. Quand mon frère aussi vient à la maison. Il se fait plaisir. Enfin bref. Donc les biscuits. Ah ouais, non. Franchement, elle est super. Elles sont super jolies. Tes Memory Dex. N'importe quoi. Tes ATC. Super belles. Alors, je vais remettre la carte dans la pochette. J'adore. Franchement. Mais ce papier-là, il est juste magnifique. Franchement. Tout est coordonné. Tout est super bien fait. J'aime beaucoup. Alors, on a un beau sachet mini. Petit cadeau, j'ai trois garçons, lol. Alors, je pense que c'est par rapport à Mini que tu m'as écrit ça. Moi aussi, j'ai trois garçons. Avant d'avoir Poussinette, je faisais tout en rose. Toi, le sapin de Noël. J'étais un petit peu une rebelle, hein. J'en avais marre du Spider-Man, du Batman, des Transformers. Et maintenant, bah, ça me pue au nez, le rose. Comme quoi, hein? Alors, c'est un tampon et c'est écrit scrapeuse. Alors. Oh, j'adore scrapeuse de mère en fille. Oh, c'est super beau. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, merci du fond du cœur, Sonia. Bon, effectivement, je comprends j'ai trois garçons. J'adore. Franchement, merci du fond du cœur. On va l'utiliser avec Léane quand on aura des belles photos quand on est toutes les deux dans la scrap room. Oh, mais j'aime vraiment beaucoup. Oh, ça me touche. Oh là là. Donc, Sonia, je te remercie du fond du cœur. C'est juste magnifique. Alors, ta pochette, tes ATC, ta carte, tout. Tout, tout, tout est coordonné, tout est super beau. Ce papier, je suis en amour devant. Oh là là, oui, regardez. Franchement, et puis tes seaux en cire, ils sont aussi super beaux. Et le tampon, alors là, c'est un coup de cœur. Merci du fond du cœur, je te fais d'énormes gros bisous. Alors, on va passer à l'ouverture du... Alors. Ah, il y a un strass en bas. Oh! Alors là, c'est super bien emballé. Hello, voici ma participation à votre concours. J'espère qu'elle vous plaira. À bientôt, Patricia. Eh bien, merci beaucoup déjà, Patricia. Alors ça, regardez-moi l'emballage. C'est super bien fait, c'est super joli. Avec un trombone en forme de cœur. C'est magnifique. En rose gold, enfin rose poudré comme ça. Oh, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Franchement, superbe. Alors, on va ouvrir.
Alors, il y a un strass, je ne sais pas où. Oh, j'adore. Regardez-moi cette Memory Dex. Oh, elle est sublime. Elle est sublime. Un sapin. Donc, tout est monté sur de la mousse 3D. Il y a un sapin. Un petit renard avec un chapeau. Joy. C'est une superposition, en fait, de die-cut. C'est magnifique. Franchement, elle est superbe. Alors, c'est de la collection Rosie Studio Noël. Donc, c'est de la part de Patricia. My Love Scrap. C'est super beau. Franchement, merci du fond du cœur. Elle est juste superbe. J'adore vraiment beaucoup. C'est... Ah, je pense que le strass qui est tombé va peut-être sur le nœud devant. Je remettrai après. Franchement, du fond du cœur, Patricia, merci. Elle est sublime. Oh, vous avez des idées de ouf, les filles. Des fous. C'est juste énorme, quoi. C'est juste énorme. Comme je vous dis, vous êtes une source d'inspiration, mais c'est un truc de dingue. Ah ouais, c'est magnifique. Donc, du fond du cœur, Patricia, merci. Ah bah merci les filles, Sonia et Patricia. C'est juste superbe. Vos créations sont magnifiques. J'aime vraiment beaucoup. Donc Sonia, tu es la participante numéro 20. Et Patricia, vous êtes la participante numéro 21. Oh, enfin, c'est énorme. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de participation. Ça me touche énormément. Donc du fond du cœur, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous fais des gros bisous. Bye.